Merci. Comment aujourd'hui pouvez-vous employer le mot de crime ? Comment pouvez-vous employer le mot de crime alors que hier vous avez demandé à ce que nous ayons tous un moment de qui s'est pas. Comment ? Alors je vais déjà, je m'interroge sur le vocabulaire employé, effectivement. Maintenant, pour revenir effectivement sur la décision de la ville de Grenoble où je suis adjointe aux cultures. Nous subissons, comme beaucoup de collectivités, une baisse des dotations globales de fonctionnement de 5,5 millions d'euros pour la ville de Grenoble pour l'année 2015. Effectivement, vous nous demandez de faire des choix et nous en faisons et nous assumons. Et nous assumons que les choix, c'est de protéger le plus grand nombre avec l'argent public en répondant à des missions de service public, comme l'éducation artistique et la pratique musicale. Donc nous avons choisi, et nous avons choisi de proposer à cette association qui a 600 000 euros de réserves, et leur conseil d'administration est cet après-midi, 600 000 euros de réserves et d'argent public dans leur trésorerie, nous avons choisi qu'ils protègent avec nous plus de 80 associations et compagnies que du coup nous allons maintenir. Donc le rayonnement pour nous n'est pas une politique culturelle municipale. C'est un bonus, c'est tant mieux si nous en avons, mais ce n'est jamais l'objectif et je vous remercie. En tout cas,